quelqu'un lui dit prenez un verre d'eau, ça va vous aider. Comme chaque fois qu'il parle de verre, tiens. Salut à tous! Alors du coup voilà, la Japan Expo c'est fini pour cette année. En sachant qu'on a vu énormément de monde, on a croisé pas mal de viewers de panda apparemment. Il a eu du coup pas mal de bons retours sur la chaîne, donc j'avoue que ça a dû lui faire pas mal plaisir. Moi en tout cas j'étais contente pour lui. alors on va commencer ce compte rendu en parlant tout simplement de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu, tout ça.
Alors, il faut savoir que c'est le lendemain aujourd'hui que j'ai chopé une crève du diable. Donc, j'avoue que si je perds un peu le fil, vous posez pas de questions déjà que j'ai l'habitude de perdre le fil d'habitude. Mais là, c'est la troisième fois que j'enregistre. Donc, je vais essayer de faire ça très concis. Voilà. Donc, alors, comme tous les ans, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de stands, beaucoup de culture, beaucoup de nourriture, beaucoup de professionnels, d'amateurs, d'étudiants, tout ça. Énormément de cosplay plus ou moins réussi. Je sens que je vais éternuer. Non, ça vient pas, bon tant pis. Nous, on y a surtout été pour voir les exclus Wii qui étaient attestés sur la convention. Donc il y avait pas mal de choses, entre autres il y avait Captain Toad et Shovel Knight pour la partie indé. Et c'était vraiment sympa à voir. Par contre, je suis un tout petit peu déçue parce que pour les tests de Bayonetta et de Hyrule Warriors. Attendez, je vais éternuer, je reviens. Voilà, désolé. Alors, donc, je disais, pour les démos de Bayonetta et Hyrule Warriors, il y avait une sacrée queue pour pouvoir y accéder. Donc, et en sachant que c'était enfermé dans un espèce de U, on pouvait même pas y participer en tant que juste spectateur. Donc j'ai pas pu voir, j'ai juste vu sur un écran, du coup je vous l'ai mis précédemment dans la vidéo. J'ai juste pu voir vite fait les images de présentation du jeu, quoi, sinon il n'y avait rien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur les stands? Par rapport aux boutiques, sans déconner, faut arrêter d'aller chez les pros. Parce que le problème chez les pros, c'est qu'ils vendent tous la même chose maintenant. Ils sont plus chiés, ils se démarquent plus les uns des autres. Ils font tous, absolument tous, les mêmes produits. Si vous voulez voir des choses un peu différentes, qui se démarquent un peu tout ça, il faut vraiment aller du côté des amateurs, qui font des produits qui changent un peu de ce que vous allez voir sur les boutiques. De base de la convention, quoi, parce que tous les stands professionnels maintenant font les mêmes peluches, les mêmes DVD, les mêmes figurines, tout ça, en sachant que cette année apparemment il y a eu des problèmes de contrefaçon par rapport aux figurines, donc fallait vraiment bien choisir sa boutique. Alors après, au niveau des rencontres, c'est vrai que cette année j'ai fait pas mal de rencontres, ça m'a fait plaisir. J'ai pu croiser très très rapidement Fred et Seb du Grenier et Ganesh. Mais c'était très très court, vraiment très court. J'ai juste eu le temps de leur faire la bise, d'échanger 2-3 mots et de leur dire ciao, bye bye. Ensuite, j'ai eu une légère discussion avec Axolot. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais je vous mettrai le site internet dans la description ainsi que la chaîne YouTube. C'est absolument génial, j'adore ce qu'ils font. En gros, c'est de l'étude des phénomènes un peu bizarres au niveau de la science. Et c'est vrai que c'est vraiment très cool à faire, enfin à faire, à voir. Et donc c'est des donc j'ai cette personne et François Terrel du Fossoyeur de Films qui sont en fait étonnamment des gens très très abordables, très gentils, très posés. Vraiment, il n'y a aucun souci enfin pour les aborder, c'est très facile de discuter avec eux. Donc merci les gars, c'était vraiment super. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Maintenant, si je vous recroise, bah, un de ces quatre. Ensuite, au niveau des gens, oui, je voulais dire un grand merci au stand de Kiraes, qui nous a accueillis comme si on était prévu sur le stand, alors que pas du tout. Et du coup, merci aussi à Benzaï et Marion qui nous ont fait un accueil vraiment super. Moi, du coup, c'était la première fois aussi que je voyais Benzaï et Polly, en vrai en tout cas. Et c'est vrai que ça m'a fait très plaisir. J'ai vraiment été accueillie par eux comme si on se connaissait depuis super longtemps. Et c'était vraiment très cool. Franchement, c'est sympa d'avoir un accueil comme ça. Ça fait plaisir, quoi. On se sent pas trop inutile ou con. Donc, au niveau des boutiques, j'ai fait un peu les pros, j'ai fait un peu les amateurs. Au niveau des pros, j'ai pris deux tasses. Hop, je me baisse, désolé. Un de ces boucans que je viens de vous faire. Donc j'ai pris deux tasses, une Zelda et une Sailor Moon. Alors je me rappelle plus du nom de la boutique parce que je vous avoue que la boutique en elle-même, c'était un truc hyper basique. Ils faisaient tous la même chose, donc j'ai pas forcément retenu le nom. J'ai pris chez eux aussi. Là, il y a tout ce qui est dedans qui est en train de se péter la gueule. Hop. Hop,
j'ai pris une superbe casquette Adventure Time. Donc ça, je vais pouvoir aller me la péter à Disneyland cet été. Et ensuite, alors au niveau des boutiques pro, j'ai pris, comme vous savez que j'ai une passion pour Sailor Moon et que Panda m'avait offert Sailor Mars, j'ai pris Sailor Mercury. Hop, je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, gros. Voilà. Petit Sailor Mercury pour compléter la collecte. Donc pour l'instant, j'en suis à 2 sur 8. Sailor Saturn me faisait énormément de l'œil parce qu'elle est juste magnifique. Et donc avec cette superbe figurine, j'ai eu droit à un poster que je pense que je vais jeter immédiatement. Voilà, c'est un poster de Mario, sachant que c'est une publicité en fait pour leur boutique. Donc ça, c'était chez Tamashination. Alors je vous les recommande, oui et non, parce qu'ils ont une très très large gamme de choix. Mais par contre, au niveau des prix, j'ai trouvé que c'était pas moins cher ou mieux qu'ailleurs. Donc j'ai juste, voilà, c'est une boutique comme une autre, quoi. Après, au niveau des indépendants, au niveau des amateurs, il y avait... alors, je ne me rappelle plus du nom. Faut que je regarde. Ça s'appelle Wistful. Ils ont une page Facebook. Et alors, c'est une nana qui fait des reproductions... Enfin, pas des reproductions, mais qui fait des illustrations basées sur l'univers de Disney. Et donc, elle a fait, entre autres, ce badge. Voilà, qui est la petite sirène. Et alors, ce qui est marrant, c'est que derrière, il y a un petit miroir. Hop, voilà, Inception. Vous voyez dedans. C'est super. Savoir qu'elle fait des marque-pages, des posters, des tentures. Enfin, je sais pas si ça s'appelle des tentures, mais c'est des espèces de grandes bâches en impression, là. Enfin, c'est assez génial. Elle est vraiment très douée, en tout cas. Par contre, j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs illustrateurs, parce que c'était pas tout le temps le même style. Donc, voilà. Sinon, elle était rattachée à un autre stand. Alors, le problème, c'est qu'il avait pas mis son nom. Donc, pour moi, ça fait partie du même stand. Alors, je sais pas si c'est très différent. Un type qui faisait des pixel art comme ça en petites perles, je sais pas si vous connaissez. Alors vous mettez des petites perles sur une plaque en plastique avec des petits clous, et quand vous êtes content de votre résultat, vous mettez un petit linge, vous passez un coup de fer à repasser, pouf, ça colle les perles ensemble. Et ça fait des petits pixel art dans ce genre-là, donc ça c'est un petit ocarina. Moi j'ai pris que des trucs de l'univers de Zelda, mais il y avait du Kingdom Hearts, il y avait du Alice au Pays des Merveilles, il y avait du Stitch, enfin énormément de choses, mais c'est vrai que moi je suis très fan de Zelda, et si je m'étais écouté j'aurais tout pris, ils avaient un milliard de trucs. Donc il y avait le petit Link version Super NES avec les cheveux roses et sa petite poule, là, ça m'a rappelé énormément de souvenirs quand j'étais gamine avec ma sœur, et j'ai pris un grand Link, assez cool, voilà. Mais c'est vrai que si je m'écoutais, j'aurais absolument tout pris chez eux, quoi, c'était juste génial. Et alors le morceau d'anthologie, parce que sans déconner, ça faisait un moment que je le voulais, et Panda me l'a offert, voilà, c'est le Hyrule Historia, l'encyclopédie de The Legend of Zelda, et je suis trop contente. Parce que, alors on l'a pris chez Soleil Manga, parce que il y avait une autre boutique qui le faisait, mais ils étaient pas aimables, ils étaient mauvais, et ils étaient méchants, et ils faisaient de la mauvaise pub aux autres magasins en disant que chez les autres c'était beaucoup plus cher, alors que c'est pas vrai. Donc je vous laisse, voilà, vous voyez, il y a énormément d'artwork sur la création des personnages, sur l'univers en lui-même, il y a des petites BD, des petits bouts de manga... des explications sur pourquoi tel personnage est comme ci, pourquoi on n'a pas pris plutôt un autre caractère qu'on avait designé aussi, mais finalement on a préféré en prendre un autre, enfin ce genre de choses. Oups là, je fais des bêtises. Ensuite, on avait notre petit Maltunos qui est passé, c'est un habitué des lives, des lundis indés, donc il nous a apporté des petits origamis. Alors moi il m'a donné un petit chien et un petit chat, voilà, et Panda a eu un panda. Bizarrement. Voilà, donc pour ce qui est de la Japan Expo, c'est fini, j'ai plus rien à dire. Si, à part que merci à tous d'avoir été super cool, merci à ceux qui sont venus de loin, merci à mes amis de Lyon qui sont venus me voir, merci pour l'accueil qu'on a reçu de la part des youtubeurs, des stands. Franchement, tout était super, même les visiteurs, je pense, c'est vraiment marré, ça a été très très vite, mais on s'est vraiment marré. Et puis voilà, pour la Japan, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Maintenant on va passer à la phase, je vous raconte les news de la chaîne. Alors, au niveau de la chaîne, qu'est-ce qui va changer? Alors, il y a plein de choses qui vont changer, parce que Minecraft et Cube World, c'est sympa, mais en dehors de A New Challenge qui a vraiment un but définitif, les autres séries n'ont pas de but définitif. Donc, elles vont continuer,
Mais je vais essayer de faire des choses en parallèle un petit peu parce que j'ai envie que la chaîne se développe, j'ai envie de faire des choses qui ont du sens. Et j'avoue que pour l'instant, là vous êtes 900, c'est un truc de fou. Franchement, je voulais vous remercier d'être autant. Et en même temps, je comprends pas parce que pour moi, la chaîne est tout juste née. Elle a toujours pas de contenu vraiment défini et qui pour moi, c'est pas intéressant ce que je fais pour l'instant. Mais j'avoue que j'ai des projets derrière qui vont arriver petit à petit et qui sont en train de se développer. Un petit rototo, hop là, actuellement. Et je voulais donc vous en parler maintenant. Alors, il se trouve que, comme vous le savez, à la base, KPMH, c'est un blog. Avant d'avoir la chaîne YouTube Poppy Noodle, j'avais le blog KPMH. Et KPMH, dessus, je faisais des petites catégories qui me plaisent vraiment beaucoup. Et le problème, c'est que les gens ne lisent plus. Voilà, parce que c'est... C'est pas que c'est pas intéressant de lire, c'est que ça vous demande un effort et les gens ne font plus l'effort de lire les blogs, les articles, tout ça. Donc je me suis dit, bah tant qu'avoir une chaîne YouTube, au moins qu'elle serve à quelque chose, je vais faire mes articles de blog en vidéo. Voilà. Bon, maintenant là, je suis en train de filmer avec mon iPhone, mais je pense que d'ici un mois ou deux, je vais me prendre un appareil photo avec lequel je puisse filmer. Et à ce moment-là, je ferai les vidéos du blog sur la chaîne YouTube. À savoir que je vais reprendre essentiellement les What the Fuck Dreams, qui va être un format très très court, parce qu'au final, les What the Fuck Dreams, c'est juste mettre le générique d'entrée, réciter le rêve un peu stupide qu'on a fait, et mettre le générique de fin. Donc ça va être très très court, mais ce sera toujours du divertissement, mais différent. Ensuite, il y a cette série, enfin, une série d'articles que j'avais commencé à faire à l'écrit. Pour l'instant, il y en a eu 15, c'était sur le backseat gaming. Pourquoi le backseat gaming? Comment le backseat gaming? Qu'est-ce que le backseat gaming? Et j'aimerais faire une série en fait, comme ça, qui explique un peu les termes un peu compliqués dans le monde du gaming, ou tout simplement faire un lexique pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces mots, ou même pour les gamers qui ne connaissent pas ces mots. Tout simplement faire un lexique du gamer, quoi, et que ça puisse servir à des gens qui veulent se mettre au jeu vidéo, ou qui veulent comprendre le jeu vidéo, ou qui utilisent des termes depuis des années sans vraiment savoir pourquoi ils utilisent ce terme et d'où ça vient et ce que c'est. Voilà, ensuite, bon. Et puis, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, hein. Voilà, et puis, bah, comme d'habitude, hein, je vous mettrai les liens de toutes les chaînes que j'ai citées, les boutiques si je les retrouve, parce que c'est pas évident que je les retrouve toutes. Je vous dis à bientôt et continuez de venir me voir et continuez de mettre des commentaires sympas ou moins sympas. Continuez d'être vous-même. Faites tourner. Et voilà. Après, vous avez les annotations un peu partout en fin de vidéo. Vous faites plaisir, vous cliquez, pop, pop, pop. Vous allez voir ce que vous voulez. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Et si possible, enfin, si ça se trouve, au prochain lundi indé, qui sait. À plus tard!